Bonjour! Quelle grande joie! C'est Pâques! Quelle joie de célébrer la vie! Qu'il est bon d'avoir une expérience avec Jésus, source de toute vie et de toute espérance! Qu'aimerais-tu recevoir de Jésus pour cette fête de Pâques? Découvrons ensemble un peu l'histoire de Jésus et son amour pour nous. Jésus aime beaucoup les enfants. Il aime beaucoup chacun de nous. Une nuit, il y a très longtemps, Jésus a invité ses amis pour un dîner. Avant de commencer, il a voulu leur laver les pieds car ils avaient beaucoup marché et leur montrer ainsi son amour. Mais un de ses amis présents n'a pas accepté l'amitié de Jésus et a voulu le dénoncer aux personnes qui voulaient lui faire du mal. Après le dîner, Jésus est parti avec ses amis, mais ils étaient très fatigués et n'ont pas réussi à prier avec lui, et ils se sont endormis. Pendant ce temps, ceux qui le cherchaient sont venus l'arrêter. Ses amis ont essayé de les en empêcher, mais ils n'ont pas réussi. On lui a fait beaucoup de mal, mais son amour était plus grand que ses blessures, et Marie, sa maman, était toujours avec lui. Ils ont emmené Jésus et ils l'ont chargé d'une croix très lourde. Et pourtant, Jésus leur pardonnait toujours. Au final, ils l'ont cloué sur une croix. Au même moment, Jésus nous a offert un grand cadeau. Il a dit que sa mère serait aussi notre mère. Quelque temps après, tout s'est assombri. Tout semblait accompli. Pourtant, Marie savait que cette histoire n'était pas terminée. Et elle gardait le secret de Jésus dans son cœur. Les amis de Jésus, accompagnés de Marie, l'ont mis dans une grotte fermée par une grosse pierre. Mais la maman de Jésus, tout en étant très triste, ne laissait pas cette tristesse enlever l'espérance de son cœur. Le dimanche de Pâques, les amis de Jésus, pensant qu'il était mort, sont allés lui porter des fleurs. Une fois arrivés, qui est-on rencontré? Moi! Je leur ai dit, n'ayez pas peur, Jésus est vivant! Il est ressuscité! Alléluia! Après cela, elles sont parties en criant de joie. Jésus est vivant! Il est vivant! Il est ressuscité! Et toutes les personnes, même celles qui ne croyaient pas, ont découvert qu'il était Dieu. Et avec Marie, elles ont commencé à célébrer, louer et remercier Jésus d'être vivant pour toujours. Joyeuse Pâques, shalom, au revoir. Merci beaucoup Jésus, parce que tu renouvelles toujours en nous l'amour et l'espérance.